お前らが初めてだ。今までの奴は素直に俺の言うことを聞くだけのボンクラばかりだったからな。忍者は裏の裏を読むべし。Yo, salut à tous, c'est OH92. Comment allez-vous? Écoutez-moi, y a tout qui va. On se retrouve pour le Eino Raibaru. Franchement, je pense que vous l'attendez depuis longtemps. Ben voilà, il est là, il est sorti et il promet, les gars. Il promet parce que je compte pas perdre aujourd'hui. Moi, ce que je propose, c'est que je vous lance le défi de Mizuka et on est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je m'en fous, je le lance quand même. Yeah. Donc voilà, mon rival. Ah, ça y est, j'ai raté mon défi. Je suis assez déçu quand même, je pensais réussir, je t'avoue. On reste à égalité, donc la rivalité demeure. Mais j'ai peur quand même pour le prochain défi. Donc sans tarder, je vais te dire ce que c'est. Alors moi aussi je l'ai choisi parmi les commentaires, mais attention, j'espère que tu vas pas mal le prendre. J'ai volé un commentaire qui était sur ta vidéo et qui à la base m'était consacré. Donc le commentaire est de Gagig Ratz, j'espère l'avoir bien prononcé. Donc comme défi à Kakashi, ben non, là sera comme défi pour Guy. Tu n'auras pas le droit d'utiliser des personnages de soutien et pour finir, tu dois finir le combat avec un ring out. Donc, t'auras pas de soutien, ça risque d'être compliqué. Guy, pour les ring out, il a son jutsu. Donc, déjà, t'as un bel avantage. Donc, à toi de bien utiliser ton jutsu. T'as ton corps à corps. Ta shop ne fera pas de ring out, malheureusement. Donc, à toi de bien utiliser tous tes avantages comme il faut. Tu peux même, si t'es malin, essayer de te prendre des coups exprès par l'adversaire, de mettre les bonnes maps. Tu vois, bref. Ça, je pense que tu trouveras quelque chose quand même pour faciliter la tâche en quelque sorte. Donc voilà, j'espère que ce défi te plaira. En tout cas, moi, le défi que tu m'as donné, ça va. J'étais assez satisfait, il était assez simple, même si quand même, pour moi, c'était assez compliqué, parce que je suis quelqu'un de mentalement bizarre. Si j'utilise pas la touche X, j'utilisais pas la touche R2. Donc voilà, t'as bien travaillé sur mon mental, mais t'en fais pas, Guy. La rivalité restera, enfin, rivalité, on se rapproche, mais je serai un peu au-dessus, ne l'oublie pas, Guy. Allez, ciao ciao tout le monde. Alors, bon, on récapitule, les gars. C'est pour être sûr, c'est pour être clair dans ma tête à moi, plutôt. Vous, je pense que vous aurez compris. Ring out. Et le point est activé. Activé, accordé, plutôt. Et pas de Kakashi, autrement dit, mon soutien. Deux conditions. Une, c'est une montagne. L'autre, c'est un caca de pigeon. C'est... non, je rigole. Kakashi n'est pas un caca de pigeon. La comparaison dégueulasse. Je suis désolé. Voilà, c'est... voilà, Kakashi n'est pas un caca de pigeon. Ou pas. Non, je rigole. Je rigole, c'est mon rival quand même. Mais là, tu vas regretter de m'avoir donné ce défi parce que je vais le réussir, mon pote. Je vais me donner à fond. J'ai un plan. Oui, j'ai élaboré un plan parce que Guy fait des plans, les gars. J'ai fait un petit plan. Alors bon, je vous explique mon plan. En attendant mon adversaire. Oui, au passage, c'est très rare que je crée des sessions. Là forcément j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix puisque il faut que je trouve la map dans laquelle je peux effectuer un ring out. Et je pense pas, vaut mieux pas jouer aux fléchettes quoi, hein. Jouer au... J'espère qu'il va prendre une carte Alors attendez, connexion bleue, rang 32, waouh, c'est du level. Mais je peux pas, je vais juste voir ses statistiques. Nagato, Minato et Sasuke. Nagato, ça va être plutôt dangereux. Mais on fera avec. Alors bon, je disais donc, je crée bah, pour pouvoir choisir la map. Voilà, une bonne map. Alors attendez, je vais prendre ma petite tenue. Hop, et on est prêt. La map, j'ai pas encore choisi, je vais juste prendre une. Je pense le village de Konoha détruit, il me semble qu'il y a de quoi faire des ring out. Enfin bref. Pour en revenir à mon plan. Bah, c'est un plan, c'est un sacré plan de spammer, les gars, j'ai pas le choix. j'ai pris rendez-vous avec Spam for Life, donc c'est un bureau si vous voulez où vous trouvez toutes sortes de spam. Voilà quoi. Avec Guy, j'ai pu trouver. Alors attendez. Attendez, mais
Je suis persuadé que on pourrait faire des ringouts sur cette map. Normalement, il n'y a pas un signe de ringout. Oui, non, je sais pas. C'est bizarre quand même. Les ringouts ne sont pas activés ou quoi? C'est quoi ce bordel? Je suis persuadé que dans le village de Konoha, détruit ou en reconstruction, on peut faire des ringouts. Donc je vais le prendre, je suis persuadé. Le col d'Unrai aussi. Donc probablement que la deuxième map ce sera celle-là. Mais je suis persuadé qu'on peut faire des ringouts. Enfin bref. C'est bizarre tout ça, c'est bizarre. Mon plan, comme je vous l'ai dit. Alors lui, il est déchaîné. On va le laisser s'exciter. Ouais, tiens, je vais te montrer. J'ai pas le choix, je suis désolé. Je suis désolé, le mec doit se dire. Non. Oh, ah oui, mais j'ai employé Kakashi. Je l'ai employé, les boys. Je sais même pas. C'était. J'ai employé Kakashi. Mon défi est annulé. En avant la bagarre. Il se bat, lui. Bonjour. Ok. Je sais, j'ai fait l'animal au point de vue des... Enfin, ça veut rien dire. Bonjour. ouais, les 3 points passent déjà sous le nez. Parce que si je dois bien suivre les règles, les gars, je n'ai pas le droit. Ah, mon soutien. Bon, là, par contre, c'est annulé, donc j'y ai droit. Et il faut bien que je me donne à fond. Pour gagner, parce que non, j'ai pas envie de perdre. Au passage, je vais essayer un ringout. Oh, mais mince, je l'ai tué. Je voulais essayer un ringout. Natsu Boss, autant pour moi. Je suis désolé. Par contre, la sandale était... était plutôt épique. Je crois que j'étais bien pété ton masque. Mon petit Toby, désolé. Ben voilà, c'est déjà terminé. J'avais pas droit à Kakashi. Et je m'en suis même pas rendu compte comme quoi. En fait, ce défi, c'est quoi ça? Il m'a attaqué à la nuque direct. En plus, j'ai reçu un message, j'espère. Oh mince, oh, à tous les coups, ça va être gros spammer. Je m'excuse déjà d'avance. En plus, je loupe mon. Oh, je suis vraiment pourri. GG, tu m'as. Mais il est trop gentil ce mec, il me fait mal au cœur. T'es trop gentil, boy. Oh non, je suis dégueulasse, mais attends, maintenant je vais m'écrire, je suis dégueulasse. Non, je suis désolé pour les dynamiques. Merde, je suis désolé. Je voulais pas faire de spam, je voulais pas. De toute façon, je pense que... J'espère que t'es un abonné. Natsu, si je me trompe pas, Natsu, comment? Attends, on va être précis. Natsu Boss. T'es un boss, man. Je suis vraiment désolé. Ce spam, c'était vraiment pas voulu. En plus, il me répond, ça. Il est trop gentil, ce mec, c'est pas possible. Comment ça peut exister des crèmes comme ça, les gars, sur Naruto? De quoi? Puis, c'est trop une crème, ce mec! Ah, je suis désolé. Je suis dégoûté pour toi. Je fais la voix du troll, je sais pas c'est quoi. Mon spam. Dynamic Entry. Ouais, bon, bah bref, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, en plus je loupe mon défi. Ouais. Désolé, c'est bien que j'ai pas mes 3 points, c'est moche, c'est dégueulasse. Donc, on va relancer. Moi je dis va pour les 2 points, c'est toujours ça de gagner. D'ailleurs, 2 points d'avance, moi je veux bien, hein. Moi je suis partant, hein. Ça mettrait mal mon petit Mizuka. D'ailleurs je t'ai concocté un petit défi. Enfin, je ne te l'ai pas concocté. J'ai bien sûr été prendre un petit commentaire d'un abonné. Qui sera l'élu? Telle est la question, je rigole. Voilà, on verra ce que ça va donner plutôt sur le défi. Je pense que... Ouais, faisable. Mais voilà quoi. C'est un défi, hein, non plus, c'est pas une partie de plaisir. mais tu vois, c'est bien. C'est bien, ouais. Franchement, c'est comme boire. C'est comme boire un milkshake. Mais dedans, t'as mis du riz. Tu vois, c'est bon, hein. C'est bon, mais c'est. C'est un milkshake, quoi. Dégueulasse. Enfin, bref, la comparaison dégueu, encore une fois.
Beaucoup de fois dégueulasse. Ah ok, mais c'était un défi, non? Ah ok, en plus il savait que c'était un défi. Donc voilà, je pense qu'il l'a deviné. Alors, mon deuxième adversaire, c'est Ritek. Je vais pas répondre en fait à l'abonné, de peur qu'il revienne en voulant me laisser gagner, j'ai pas trop envie. Je préfère que ça reste loyal. Là, je sais pas c'est qui, donc on va voir ce que ça va donner. En plus, je me suis rendu compte qu'il se laissait un petit peu faire, je sais pas, je me suis rendu compte qu'il se laissait faire, donc pendant un moment j'ai hésité, j'ai dit mince, c'est pas un abonné qui veut me laisser gagner. Je suis pas contre, hein, ça me ferait grave plaisir, mais Guy Maito préfère la difficulté, vous voyez. C'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Bon, on prend Konoha détruit parce que je suis persuadé que oui, il y a un ring out. Alors, Ritek. Ouais. Ouais, super team. Magnifique team. Non, franchement, magnifique. Y'a rien à dire. Je me tais. Je dis rien. C'est les rivaux qui s'affrontent. Alors. Il faut que tu me dâches, bonhomme. Hein. Moi, j'attaque pas. Non, attendez. C'est réunion des abonnés ou quoi? C'est... Vous êtes donné rendez-vous, les gars? Faut m'attaquer, monsieur. Feinte. 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 Il a eu peur. Non mais faut m'attaquer, faut que je te mette un dynamique là. Ah viens, je vais te donner. Bon, les gars, bah, c'est officiel. Comment dire? Est-ce que j'en profite? Non, ce serait déloyal d'en profiter. Je vais essayer de lui mettre un dynamique en traître. Ah. On va lui donner des dynamiques. Oh. Attendez, faut que j'aille plutôt côté mur. Oh, bien essayé ça. Faut que j'aille plutôt côté mur, voilà. Non, j'emploie Kakashi. Non. Non. J'ai de nouveau perdu mon défi, mais c'est dégueulasse. Franchement, les gars, rien que pour test, je vais essayer d'y arriver. Je peux pas. Le pauvre, en plus. Wouah, il va... Wouah. Oui, j'ai vu le... Alors, le mur ne veut pas se casser. Bon, bah c'est mort. De toute façon, j'ai employé Kakashi. Avec mon spam, je vais le laisser m'enlever une bonne petite barre parce que c'est dégueulasse. Non, ouais, c'est dégueulasse avec mon spam. En plus, je fais ça à des abonnés. Non, non, faut pas déconner quand même. Ouais, enfin bref, c'est dommage. J'ai encore employé Kakashi. Ouais. Je suis un peu dégoûté. Je suis... Voilà. Dommage parce que c'est encore 2 points qui partent bêtement. Bon, on s'en fout, allez, on attaque. Hop, l'esquive. Oh. Bien joué. Par contre, ça sent la défaite, mon bonhomme. Je vais essayer de lui faire peur. Non, j'attaquerai pas. Bouh. C'est méchant. Non mais Guy est vraiment méchant. Mince, ben, je me suis loupé encore sur ce défi. Je vais décevoir plus d'une personne, je pense. Je me déçois moi-même, hein, les gars. Donc je me déçois en premier. C'est une torture. C'est une torture de pas appuyer L1R1. C'est... Ah non, 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 non. C'est trop difficile, les gars. Ce défi est loupé d'avance. Je dois faire un ring out. En plus, le mur, il veut pas se casser. C'est quoi ce bordel? Faudrait que je le casse. Putain, si je pouvais faire un dynamique dans le mur. J'aurais bien ouvert, vous voyez, j'aurais fait une petite fenêtre, hop, une petite fenêtre, j'aurais fait une petite feinte, tu vois, j'aurais mis un piège à ours là, un truc pour l'attirer, hop hop, ouais, je sais pas ce que vous voulez, hein. Oh là là, là je me suis clairement loupé, déception, 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 va pour le 1 symbolique, en plus c'est un abonné, j'arrête pas de spammer des abonnés, mais c'est dégueulasse, je déteste ça. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, score spammer, un truc comme ça? C'est pour le truc avec Mizuka que tu joues comme ça. Il l'a deviné. Je ne répondrai pas parce que s'il revient, eh bien, j'ai pas envie d'être.
chouchouter entre guillemets. Je veux faire ce défi à la loyale. Antonio Alfaro, allez, niveau 8. Ah là par contre les gars, ça m'intéresse. Va pour le 1 symbolique, je retrouve le sourire, ça m'intéresse. Par contre, c'est moi ou il n'y a pas de... Ne me dites pas qu'il faut choisir une option pour avoir les ringots, quoi. C'est chelou quand même. Alors bon, on va prendre sa petite tortue. Va peut-être nous porter bonheur, allez. Attendez, juste voir ce que j'ai, parce que j'ai pas acheté grand-chose. Ouais, le chien, pas mal, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, j'ai vraiment acheté de la merde, les gars. c'est votre proposition, je suis preneur, franchement, des petits trucs sympas. Va pour la tortue. Faudrait peut-être pas que je me loupe sur le perso. Allez, bon, pas de Kakashi. Pas de Kakashi, faudrait que je mette Kimimaro, pour être sûr de pas utiliser. Bon, je vais regarder toutes les maps, parce que normalement, il y a une indication qui dit s'il y a un ring out, et je suis persuadé que il y en avait un. Alors j'ai 19 secondes, je vais toutes les mater les gars, je suis désolé. Ça me paraît chelou qu'il n'y ait pas de ring out sur la map Konoha détruit. Non, ici non. Non plus. Ici non plus, non. Bah, le col d'Unrein normalement. Bah, c'est bizarre les gars, faudrait m'expliquer si ça vous dérange pas. Je veux bien une explication. Alors Antonio qui nous sort l'équipe de médecins. Une bonne petite équipe, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais me mettre près du mur, c'est vous connaissez la musique les gars. Par contre je vais peut-être lui faire des feintes en ce qui concerne ses soutiens. Un petit coup de tête. J'ai failli employer Kakashi. Alors je vais prendre mon chakra, je m'en fous de ce qui peut arriver. Voilà, vas-y. Ce qui serait bien en fait, c'est que lui... Alors attendez, je vais l'attirer peut-être contre le mur. Non, non, mais... Oula, j'ai failli me le prendre finalement. Allez, faut que tu m'attaques. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Bon, ben là, je vais devoir attaquer un petit peu, alors attention. Oui, super, voilà, allez, on recule, j'ai besoin de chakra, donc il faut me laisser tranquille maintenant, monsieur. Voilà, il s'éloigne, alors attendez, on va mettre peut-être un petit... Oh là là, il a... Allez, casse-toi, espèce de mur de merde! Tu vas te casser! Mais il veut pas se casser, ce foutu mur! Il veut pas se casser. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens, attaque-moi! Ouh, là, il va m'attaquer. C'est bien, c'est bon pour moi, ça, les gars. Allez. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Oh, mais là, je vais ramasser. Mais casse-toi! Il veut pas se casser le mur, c'est dégueulasse! Oh là là, mais c'est impossible ce défi, mais c'est quoi ce bordel? Comment je peux faire, les gars? Comment? Aidez-moi, je veux mon joker! Je veux mon joker! Mon joker! Hop, esquive de kunai. Bon, bonjour, soutien, c'est un par un, monsieur. Va là-bas, va-t'en. Mais le mur, il peut pas se casser. Bon, je lui fais sa peau. J'en ai marre. Je vais te montrer, moi, je vais te montrer. Ouais, bah, je suis obligé de le tuer, les gars. Je peux pas réussir ce défi si le mur se casse pas. Mince. Une explication, parce que alors là, je suis idiot. Là. Alors, c'est que j'ai loupé quelque chose. C'est que j'ai loupé quelque chose. Mais je sais pas c'est quoi. Pourtant, vous allez pas me dire que cette map n'est pas incassable. C'est pas possible. Cette map, il y a une indication quand ça se casse, mais je comprends pas. J'ai loupé un épisode. J'ai loupé quelque chose. Ou alors j'ai trouvé une astuce qui permet de pas avoir les ringots. Mais alors je veux savoir, les gars. Je veux savoir. Bon, de toute façon, c'est pas non plus une déception, mais bon, voilà quoi. J'aurais préféré prendre un petit peu d'avance sur ce Einola et Baru. Et je m'excuse auprès des abonnés que j'ai pu spammer
Je suis vraiment désolé, je demande le pardon. Gaï Maito, Yin. Ça se dit pas, mais on s'en fout, les gars. Non, parce qu'en fait, le pardon Gaï Maito, Yin, c'est si vous voulez, je vous donne ma paire de sandales la plus vieille. Alors oui, elle schlingue. Et oui, je suis fier. Je déconne, ça veut rien dire. Oubliez ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi, on s'en fout. Défi loupé complètement. Enfin, loupé, faut voir, hein, parce que je l'ai bien envoyé contre le mur. Ah, franchement, j'aurais aimé le réussir. Par contre, je comprends pas. J'ai loupé un épisode. Voilà, je veux savoir. C'était un HS ou je sais pas, je rigole, mais j'ai loupé quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Toujours est-il que c'est 2-2. Personne prend l'avantage sur ce Eino Raibaru. Et c'est tant mieux, c'est mieux comme ça. Je suis, ben voilà, finalement, ça fait déçu partout, hein. Déçu partout, j'ai envie de dire. Moi, je le dis avec le sourire et tout, j'ai encore le... Je sais pas, c'est comme ça, je... Ouais, j'ai perdu. Ouais, ben, il faut baisser ton pouce maintenant, Gaï, hein. Tu commences à m'énerver, je rigole. Bon. Ouais, moi, ce que je propose, ben, écoutez, c'est qu'on aille vite fait... qu'on aille proposer le petit défi à Mizuka Shinobi. On va viser level normal, on va dire, franchement faisable. C'est un abonné. Alors voilà, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en mode relax, tranquille. Et on fait ça tranquillou. Défi loupé, donc hein, c'est bon, voilà, c'est comme ça, je peux rien faire. Donc moi, ce que j'ai besoin, les gars, c'est juste une explication de votre. Enfin, une explication. Voilà, je sais pas, c'est. Je m'y connais pas non plus énormément sur Naruto en ce qui concerne les maps, les ring out et tout. Je me suis jamais intéressé de près. En fait, ça m'a jamais intéressé non plus. J'ai sûrement loupé un épisode et je crois que c'est tant mieux pour Kakashi. Et je répète, je m'excuse auprès de Retech, je pense c'était, et Natsu. Natsu Boss. Qui, me semble, sont deux abonnés. Donc je m'excuse à 100%. Et aussi de pas avoir répondu, mais vous l'aurez compris dans la vidéo, les gars. Donc, je suis désolé. Voilà, vous avez mon pardon, Gaï Maitoyen. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, les gars. Yo! Alors, mon cher Mizuka Shinobi. Ben voilà, le tableau des scores ben, qui reste à 2-2. On peut pas faire autrement, hein, c'est comme ça, hein, quand nos défis sont... C'est des vrais défis, hein. Là, je... Voilà. On arrive déjà au troisième défi. Quatrième, en fait, je sais. Oui, 4. Oui, 4, je pense. Et c'est haut level quand même, hein. Ça devient vraiment de... C'est du haut level et ça j'adore. Donc moi je dis qu'on continue comme ça à se lancer des défis tous aussi piquants les uns que les autres. J'adore. Alors pour mon défi, cette fois-ci je vais pas faire long parce que je suis désolé, la dernière fois je crois que j'ai trop parlé. Faut me dire stop, hein, de temps en temps. Faut... Enfin bref. Le défi va être simple. Alors... je l'ai pris d'un abonné. Alors cet abonné, que je me trompe pas, c'est Noctis Kalium, Killium. Je sais pas comment on dit ton pseudo, mec, je suis désolé. En tout cas, c'est Noctis, ça je sais, donc on va pas se tromper. Noctis, alors tu nous dis, nouveau défi pour toi. Alors bon, Mizuka, t'es venu prendre un défi chez moi, bah, je suis venu prendre un défi chez toi. Alors bon, il m'avait l'air d'être pour toi dans le sens contre toi ou je sais pas. Bref, en tout cas, ce défi, mon pote, heureusement que je le prends parce que ce défi, c'est une tuerie. Alors, il a l'air simple, mais le cerveau, c'est... Pff, prends ce que tu veux, un médicament, un truc avant de commencer, tu vois, une bonne, un petit Red Bull, moi je dis, un bon petit Red Bull, hop, on démarre bien fort. Alors, donc, comme tu l'as dit si bien, je sais pas si tu vas réussir ce défi. Tu peux tout faire, mais celui-là, tu n'y arriveras pas. Le défi est donc, pas se protéger avec R2, mais tu peux tout faire. Sauf se protéger avec R2, bon, voilà. Forcément, se protéger, c'est avec R2, donc pas droit à la touche R2, mon petit Mizuka. T'as droit à la permute. Moi, je rajoute rien. J'ajoute rien. Ce défi, je pense, est déjà bien corsé. Ta maîtrise va devoir passer au-dessus de tout. Voilà. Donc, moi, je te souhaite bonne chance. J'espère voir du beau combat, parce que c'est tout ce que je veux. Franchement, je veux juste voir un magnifique défi réussi, même à la perfection. Voilà, c'est tout ce que je veux pour mon rival, les gars. Je veux du lourd en termes de gameplay. C'est possible et je le conçois bien. Il est vraiment difficile, ce défi. Je sais ce que c'est de pas jouer avec la touche R2. C'est comme si on te perçait une veine, tu vois. C'est un petit peu pareil. On n'est pas loin. Ou peut-être j'abuse. Non, j'abuse. Comment dire, c'est comme.
C'est comme Guy sans sandales, vous voyez, ou Kakashi sans son espèce de bandana. On sait toujours pas ce qu'il cache derrière son. Hein. Y a que lui qui a le secret, hein. Tu nous diras. Je sais pas, y a un truc, un bouton, ce que tu veux. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. C'est toi qui vois. Enfin bref, je vais pas m'attarder. Le défi a été lancé. Par contre, Mizuka, lis bien le défi. Il fait une phrase. Tu te louperas pas, je pense cette fois-ci. Il fait une phrase. Tu te louperas pas. Je veux dire la prochaine fois. Voilà, prends les deux yeux. N'utilise pas qu'un œil. À mon avis, t'as vu une partie du défi. Donc tu t'es dit, ah, si c'est que ça, ok. Non, il faut enlever l'autre œil. Tu vois, t'enlèves ton bandana. Hop, on voit l'autre œil. Hop, hop, tu regardes bien le défi. Je te charrie, je te charrie. Je m'en vais à courir. Enfin bref, les gars, c'est tout pour moi. C'était Wesh 92. Voilà, hein. Allez, j'ai rien d'autre à dire, les gars, portez-vous bien. Et puis que le Hey No Raibaru continue. Yo! Ah oui, avant de partir, Yata! Hey, petit ninja, faut pas partir. Tu peux aussi nous suivre sur Twitter et Facebook. Au cas où, je répète beaucoup. Dans la description, t'as tout, en fait, t'as toutes les informations. Un écran s'affiche là tout de suite, comme de par magie. Tu peux y cliquer. Ouais, tu peux cliquer en fait, hein. C'est pas avec ton doigt, non, tu prends la souris, voilà, tu cliques, et tu seras redirigé, comme de par magie encore une fois, eh bien vers toutes les vidéos Hey No Raibaru que tu n'aurais peut-être pas vu. Donc moi je te dis, prends soin de toi mon gars, et ciao! En réalité, je suis encore là, hein. J'attends que tu cliques. Bah clique, hein, comme ça tu profiteras.